Ravinsky qui fait dévier. Ça va à Craig. Mikuka veut se mettre dans l'enclave. Belle passe! Et compte! Alexis Mikuka atteint le plateau des 20 buts contre son ancienne équipe. Qui est ici. Quel jeu! Quelle passe de Craig! Craig, vraiment, là, qui s'illustre avec une passe. Oh là là! Suivi d'une petite manœuvre sur la patinoire. Un but ici spectaculaire. Les Huskies ont été pris. Attiré un peu par la rondelle ici, la défensive des Huskies. Schmidt vers Bourque. Bourque est frappé par Kerr. C'est un peu haut, ça. Puis ensuite, Schmidt vient frapper Burrush. Johnson ensuite. Johnson de l'autre côté. Kanarachian sur sa gauche. Là, ils viennent de répondre. Présent. Les arrêts. Fauchon par la bande vers Mikuka. Mikuka veut déborder. Strang. Mikuka. L'autre côté. Ravinskis. Quel arrêt, là, Richard. Wow. À son tour. À son tour, effectue l'arrêt. Et ça sent. Mais Brad Yedman disait que ça allait beaucoup mieux. Surnombre de l'Armada, ça va être Mikuka. Craig veut s'échapper. Craig, il est seul. Craig, la fête. Oh, l'arrêt de Richard. Mikuka, on lui soutire du côté de Godet, qui jouait dans la Ligue de la Côte-Ouest aussi avec Indianapolis. Passe de Craig à Ravinskis. Ravinskis, l'arrêt au retour, Craig. Et hey, là, Mikuka se fait stopper. Deux séquences là-dessus. Là. Ah, peut-être là, même là, trois. Là. C'était le meilleur. Ce trio-là, ça... Craig ensuite. Craig. À Lavigne. Lavigne à Craig. Craig s'amène un. C'est goal! Un tir sans avertissement de Kim du plateau des 50. Et on voit l'Armada ici qui maintient bien la rondelle et passion. On tente de trouver une ligne de tir ou une ligne de passe. Et ici, on prend. Je pense que c'était Thomas Vézil comme écran. Kieran Craig, beau travail. Cohen Strang plutôt. Ah, c'était Strang, c'est ça. C'était Strang 22. Plutôt que Belzil, le 22. Les Huskies qui tentent. Tant bien que mal. Et voilà l'annonce du deuxième chez l'Armada. Pendant qu'à notre gauche, Vincent, on y reviendra. Fontaine coupe au filet. L'arrêt de Sheehan est contre. La rondelle a échappé à Sheehan. Belle manœuvre de Louis-Philippe Fontaine. Et c'est amené au filet trop facilement alors que Larose ici. C'est sorti du jeu avec une mise en échec, ce qui crée le surnombre en faveur des Huskies de Rouyn-Noranda. Alors que c'est justement enfin Thomas Belzile qui vole un beau jeu en zone neutre. C'est lui qui paye le prix. Et Fontaine qui profite de Larose qui est pris hors position. Et les Huskies qui reviennent dans ce match. L'écart est à nouveau. À gauche. Ouais, les Huskies vraiment, on dirait que c'est le deuxième but à fouetter les Huskies. Moi, je me disais peut-être que si l'Armada en cherchait un deuxième, le Gendron va s'amener. Il va tenter de déborder à l'arc, s'amener seul. Gendron la fête. Et compte! Et quel but ici d'Alexis Gendron. Et qu'il ça, est... c'est un du plateau des 30. Et qu'il est bon en échapper quand il a de l'espace. Et les Huskies ici ont cafouillé à la ligne bleue de l'Armada. Et Gendron, avec sa rapidité, traîné un peu. En zone neutre, à l'extérieur du jeu. Et il s'échappe aussitôt. Un tir dans la lucarne ne donne aucune chance à Samuel Richard, qui a bougé en premier. Et il y a deux buts. Donc, à trois minutes à faire à la troisième. 32-26 les tirs. L'Armada, Cohen Strang, envoie près du cercle. C'est intercepté. La relance pour Mikuka. Ça mène à 2 contre 1. 3 contre 2 maintenant. Avec Craig à retardement. Mikuka à Craig. Craig un tir. L'arrêt de Richard. Okay. Qui effectue l'arrêt vraiment. Il avait bien défié le tir, mais c'est une belle passe. Une belle patience. Il aurait pu abandonner après avoir vu sa première passe bloquée par le défenseur Cohen Strang. Mais non, il voit Kieran Craig qui s'amène à la remorque derrière. Que quelques minutes. Quelques présences en première période. Heureusement qu'il était dans les gradins, celui-là. Oui. Avantage est bien que les Huskies. Dylan Gill. Gill envoie vers Burrush qui fait en l'air. Oh, le filet était complètement ouvert ici. Gill à Johnson. Johnson à Gagnon. À Johnson, c'est compte! Le tir de Samuel Johnson se retrouve dans le fond du filet. Et c'est 3. Très créatif. Est excellent en position de la rondelle. Il tricote bien autour d'adversaire. Et là, ici, un tir sur réception préparé par Mathieu Gagnon. Un tir qui venait pourtant d'en dehors des deux cercles. Mais quand on a un tir de la...